Sexism Man, c'est un petit personnage que j'ai créé qui est, en fait, au départ, il est très sexiste. Enfin, il est sexiste, quoi. Il a été élevé dans, on va dire, élevé dans les années 70, quoi, dans une époque pas forcément super éclairée au niveau du sexisme. Et au fur et à mesure que la société évolue, voilà, il cherche un petit peu à évoluer lui aussi, quoi. Donc il essaye de comprendre le sexisme à sa manière. Voilà, donc le but de ce personnage, c'était un petit peu de décrypter le sexisme, en particulier dans les sciences, puisque là, il s'attaque à la science, et de voir pourquoi les hommes et les femmes n'ont pas des parcours exactement parallèles, les obstacles que les unes rencontrent et que les autres ne rencontrent pas. Voilà, donc on a un petit peu mélangé. J'ai tendance à vraiment faire tout dans la réponse à une seule question. Je suis désolé, peut-être que bon, ok, je continue. On a un petit peu en fait mélangé du texte explicatif. Donc c'est Isabelle Collet, ma co-autrice, qui a fait toute la matière du texte et tout ça. Et c'est et moi j'ai fait tous les dessins et toute la partie débile et la partie sexiste et tout ça, c'est tout moi. Voilà. Et donc on a essayé, pour faire le livre, on s'est un petit peu envoyé des textes, moi j'ai réagi avec des dessins, etc. J'ai écrit la BD du début pour, je dirais bien contextualiser, mais c'est ouais, un petit peu quand même, si. Je pense qu'elle sert aussi à ça. Ça se fait effectivement à une conférence, alors les dialogues effectivement sont pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est trouvé, c'est qu'Isabelle Collet, je la connaissais depuis un certain temps. Mais sous son pseudonyme d'internet et elle lisait Lapin, on avait un petit peu correspondu via le forum et des choses comme ça, quoi. Donc ce n'était pas une inconnue et du coup c'est c'était Isabelle, etc. On devrait faire un livre ensemble, c'était pas loin, quoi. Alors mon personnage de BD, le héros de tous mes livres, c'est un lapin, donc du coup j'ai gardé le personnage, mon personnage habituel. C'est à peu près la seule chose que je sache dessiner, ce sont les lapins. Le Sexism Man, on l'a conçu, on a commencé, c'était quand? C'était en 2016, je pense, qu'on a commencé à... que la conférence a dû avoir lieu. Ça, c'est de mémoire. Donc, le temps qu'on échange, etc., que je me mette au travail, que je fasse un petit peu tout ce qu'il faut, etc. Parce qu'en tant que garçon, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis un garçon, je suis doué, mais un peu feignant. Et je suis pas travailleur et acharné comme une fille, quoi. C'était juste pour citer un des propos qu'on décrypte dans le livre, comme tout le monde l'aura forcément compris. Voilà, si je dis une bêtise, c'est exprès pour vous pousser à acheter le livre, on est d'accord, dès le départ. Et du coup, alors, le sexisme et les sciences, c'est aussi parce que j'ai une fille qui fait des études scientifiques, qui est à l'ENS en ce moment, et donc, voilà, ça me touchait un petit peu personnellement de voir une fille dans les sciences, etc. Et du coup, après avoir assisté à la conférence, je me disais, ah ouais, quand même. Oh, pas cool, quoi. C'était. Puis j'ai appris plein de choses. Hein. Tu sais, on se dit, les gens qui travaillent, ils y arrivent. Hein. C'est un petit peu la doctrine. Certaines doctrines à la mode en ce moment, c'est ouais, si tu travailles, tu vas y arriver. Et en fait, la réalité est quand même nettement plus complexe que ce petit slogan. Et du coup, le sexisme, justement, il se nourrit de l'apparence de la simplicité. Les filles et les garçons, on leur donne les mêmes chances. Hein. Il n'y a pas de sélection. Alors qu'il y a effectivement. Beaucoup d'obstacles sur le chemin de certaines et beaucoup d'encouragement pour les autres, même s'ils accumulent erreurs, bêtises, des trucs comme ça, c'est pas grave. C'est un petit peu le homme blanc, c'est genre power, tu vois. Et moi, c'était plus l'histoire de Jules Verne qui fait son discours d'introduction devant le lycée, un lycée de jeunes filles, je sais plus où, je crois que c'est dans le Nord. Beauvais ou Calais ou en ont un. Et du coup, effectivement, il dit il faut éduquer les jeunes filles, etc., qu'elles apprennent des choses pratiques et qu'elles soient capables, après avoir fait de la chimie, de confectionner des pot-au-feu. Et voilà, c'était bon. Alors, et c'est pas le mec le plus débile de sa génération, quoi. Il n'est pas complètement teubé, quoi, Jules Verne, mais c'est là qu'on voit que l'état d'esprit global en fait, de l'époque, c'était plus. Et puis il est partagé aussi, et c'est ce qu'on voit par les femmes et les hommes. Hein. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'effectivement, les femmes, c'est plutôt au foyer. On peut les éduquer un petit peu, mais pas. Enfin, juste ce qu'il faut, quoi. Il faut pas que ce soit pour. C'est pas pour travailler, parce que travailler, c'est sale, c'est pas un truc qu'on va faire aux filles, c'est pas féminin. On les éduque pour des notions pratiques, l'économie du ménage, la cuisine, etc. C'est ce genre de choses.
Bah, un petit peu. Alors, on a fait quelques conférences. On est allé à Strasbourg, on est allé à Genève aussi. On a fait une petite conférence à Lyon. Forcément, on a profité de toutes les opportunités qu'on a pu avoir. Et effectivement, je pense que les gens arrivent en fait à, du coup, avec ce qu'on décrit ou ce qu'on raconte, à mettre des mots ou des explications derrière un ressenti qui était vague et incertain, quoi, et qui n'était pas forcément. Et même moi, je vois dans des histoires que je connais, quoi. Et on retrouve effectivement tous les schémas de pensée ou les schémas mentaux ou les schémas comportementaux qui sont décryptés derrière, on les retrouve un petit peu tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est du coup. Par exemple, ma femme, elle a fait bac C, elle a fait le lycée du Parc, mais passé sa deuxième année, quoi, elle a fait la classe prépa, quoi. Enfin, elle était en terminale au lycée du Parc et elle avait des bonnes notes et tout, donc elle était vraiment partie pour faire prépa et un truc d'ingénieur. Et puis, elle s'est retrouvée doucement incitée à dire ouais, mais ça va être difficile, etc. C'est très compétitif, faut peut-être que tu fasses un truc plus. Et du coup, elle est partie faire des études d'architecture. Bon, c'est pas absurde, elle n'est pas passée non plus d'ingénieur à autre chose, mais en fait, elle aurait très bien réussi au lycée du Parc. Elle aurait probablement eu des meilleures notes que moi, qui a quand même poussé l'art du non-travail à de fortes extrémités. Et elle aurait fait une super ingénieure, quoi. C'est auto-saboté avec des. Et puis au début, on se disait ouais, je suis un peu admiratif des gens qui font prépa, alors que, en fait, il n'y avait aucune raison qu'elle ne l'ait pas fait, quoi. C'était juste. Donc voilà, tu redécryptes ça à la lumière de ce que tu apprends et tu le vois de manière différente, quoi. C'est vraiment. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, des livres, il en existe sur le sexisme. Isabelle Collet, c'est pas son premier, le sexisme, l'éducation, etc., à l'école, et ce genre de choses. Donc, elle en a fait plusieurs. Mais c'est vrai que, on a fait un livre, là. Alors déjà, en plus, on y a mis les moyens, quoi. On a pris une super graphiste, qui nous a fait une maquette rose. Et là, insert. On voit défiler le livre pendant que je parle. OK, fallait pas que je le dise. On le saura comme ça, vous saurez quand le mettre. Et du coup, on a travaillé aussi avec une fille qui s'appelle Indira Chatterjee. Donc elle nous a aidé à construire le livre, elle nous a fait des retours, elle a aussi écrit la préface du livre. Donc une fois qu'on a écrit les livres, on s'est dit, bon, quand même pas que les gens ils croient qu'on se fout de leur gueule dans le bouquin. Donc on a écrit une postface et moi j'ai écrit une postface. Alors du coup, après, Isabelle a écrit aussi une postface. Voilà, on a pris quand même pas mal de précautions globalement pour que le livre soit bien pris et que les illustrations ne soient pas prises comme un foutage de gueule, parce que peut-être qu'on peut se dire ouais, quand même, c'est franchement, les mecs ils exagèrent. Mais au final, de tous les retours qu'on a pu avoir, effectivement, le médium dessin, la BD, les conneries, les blagues, etc., ça aide à vachement bien faire passer le message. Même moi, je retiens vachement mieux tout ce que j'ai illustré que le reste. Ce que je n'ai pas illustré, je ne m'en souviens jamais. Quand je dois expliquer un chapitre que je n'ai pas illustré, je me mélange, je me marche, c'est terrible, quoi. À un moment, Isabelle Collet devait faire une conférence avec moi, elle n'a pas pu à cause de la grève des trains, elle a été retenue. Solidarité avec les cheminots d'ailleurs, en passant. Et du coup, j'ai dû faire la conférence tout seul. C'était un massacre. Donc j'ai expliqué aux gens que j'étais désolé, je ne voulais pas prendre sa place, etc., que j'allais dire des bêtises. Et j'ai pas menti, j'ai dit beaucoup de bêtises. Et quand ils posaient des questions, je ne savais rien répondre, quoi, c'est fou. Donc j'ai illustré le livre, je l'ai lu une vingtaine de fois, je l'ai édité aussi, donc je l'ai relu aussi comme éditeur, je l'ai corrigé. Et je suis infoutu de faire une conférence ou un exposé sur le sujet qui est au final plus complexe qu'il a l'air, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un sujet. Et du coup, effectivement, le médium dessin, ça le met à la portée de tout le monde. On le trouve dans des endroits où on ne l'aurait jamais trouvé. On n'aurait jamais trouvé un ouvrage comme ça dans une librairie de BD ou ailleurs. On l'a aussi diffusé dans beaucoup de. Comme Indira est mathématicienne, dans beaucoup de. UFR, je crois que ça s'appelle, d'endroits où les gens ils font des maths, où ils apprennent les maths, l'université avec des maths et des matheurs, etc. Des matheurs, des matheux, des matheuses, plein de gens qui font des maths. Et du coup, on l'a diffusé un petit peu aussi comme ça. Donc c'est à moitié une aventure éditoriale parce qu'on a fait un super bouquin, donc je suis super content, et à moitié une occasion effectivement de faire des conférences, du prosélytisme, d'expliquer des choses et de faire prendre conscience aux gens du fait que
franchement, voilà, une fois qu'on a pris conscience en fait de l'existence de ces obstacles, du fait qu'il y ait du sexisme, ben on réagit différemment, on pense un petit peu différemment aussi. Et j'espère aussi que ça a un petit peu libéré des filles qui disaient « je vais jamais y arriver, mais si, tu vas y arriver ». Alors là, on prépare un truc sur le sport. On se dit le sexisme et le sport, visiblement, c'est un gros sujet. Alors voilà, mais comme il n'y a pas de livre, alors du coup, j'ai pas d'anecdote, j'ai rien pour vous, quoi. Non, je peux pas trop, non. Si, j'ai une anecdote, quoi, mais j'ai mal la raconter encore. Allez, je la raconte quand même. Donc l'anecdote, c'est en fait, c'était le tir à la carabine, ouais. Donc aux Jeux Olympiques, pendant assez longtemps, le tir à la carabine a été une épreuve mixte. Jusqu'à une année où ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a eu deux Chinoises en fait qui ont gagné la médaille d'or et la médaille d'argent. Voilà, bon, super tireuse à la carabine, etc. quoi. Et l'année suivante, l'épreuve est devenue, il y avait une épreuve masculine et une épreuve féminine. L'épreuve masculine, il y avait 5 épreuves, et l'épreuve féminine, il y avait 3 épreuves. Voilà. Je peux trouver que l'anecdote se suffisait en elle-même. Je me suis dit, ah ouais, putain, si c'est comme ça, il faut vraiment qu'on en fasse un livre.